constater la remise au sport est sublime, magnifique. Je me sens assez balèze. Ouais, ou plutôt con. Hyper beau, enfin, truc de fou. Donc, je voulais vous parler, vous tombez bien. Mais arrête un peu. Vous avez déjà fait un cours d'aquagym? Un cours d'aquagym à la Club Med. Un cours qui résume tout le club à lui tout seul. Un cours où le professeur peut être ton père, peut être ton copain, peut être ton sex friend, peut être les trois en même temps. On n'en sait rien. Il peut se passer des choses assez bizarres. Bonjour mesdames. Aujourd'hui, un petit échauffement avant de commencer le cours. J'ai largeur de hanche, on bouge pas encore son bassin. Hein? On y va. Pour le moment, on met juste les deux mains devant. Et on fait un grand mouvement. Super. On continue. Un autre grand mouvement. C'est ça. Et on commence à accélérer. On commence à accélérer. Regardez mon mouvement, madame. On y va. En grand. Voilà. Super. Très bien. Maintenant, on fait la même chose. En petit. En petit. En petit. Petit. Et on accélère. On accélère. Allez, mesdames. On y va. Oui. Ah, très bien, mesdames. Deuxième mouvement. On met les mains le long du corps et hop, on en met un devant, un derrière, un devant, un derrière. Super, très très bien. On fait la même chose, point fermé, main devant. Très bien. Super, on fait que la main droite. Voilà, très très bien. On y va, hein. On peut accélérer si on veut. On le fait en fonction de sa taille, bien sûr, de ses propres proportions. On y va, on y va. Moi, je le fais à ma façon, à mes proportions. On y va et on accélère le mouvement. Très très bien, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Grand mouvement, on y va. Et on accélère, surtout on accélère, toujours avec ses propres proportions. On y va, on accélère, on accélère, on accélère. Et on relâche. On en fait la même chose avec les deux mains en même temps. Pour ceux qui sont ambitieux et celles qui connaissent un petit peu les calmes. On y va, grand mouvement, les deux en même temps. Voilà, très très bien, super. On y va, voilà, et on accélère. On accélère. Super, très très bien, on accélère, on accélère, on accélère. La ceinture abdominale, on va se concentrer sur le grand droit de l'abdomen. On y va, on met au début les mains au niveau des hanches et un petit mouvement. Voilà, très très bien, en avant, en arrière, en avant, en arrière. On n'oublie pas, hein, c'est un grand mouvement. En arrière, en avant, en arrière, en avant. C'est ce qui s'appelle une antépulsion, une rétropulsion. On antépulse, on rétropulse, on antépulse, on rétropulse, on antépulse, on rétropulse, on antépulse. Super. Dans la continuité de cet exercice, pour la même chose, on va mettre les mains devant. Généralement devant, il y a des petites poignées d'utilisation prévues à cet effet. Pour y aller quoi? On y va. Voilà, on est motivé. On prend les poignées et on y va. On y va. On antépulse, on rétropulse, on antépulse, on rétropulse. On n'oublie pas le mouvement d'hanche. Anté, rétro, anté, rétro, anté. Allez, on y va. Nicolas, on y va quoi? On sac dedans, hein? C'est pas ta mère, tu peux y aller, t'as dans le quand même. S'il te plaît, on y va. Entrez, rétro, entrez, rétro, entrez, rétro. On y va, on y va, on y va. On n'oublie pas ce petit mouvement d'abdos qui nous fait travailler le grand droit de l'abdomen. Impeccable. Maintenant, on met les gants que je vous ai donnés. On y va. On les met en arrière et on les met devant. Super, très très bien. On y va. Hop, on accélère légèrement. Très bien. Une évolution dans ce petit exercice. On laisse la main gauche devant et on va travailler. Voilà, que la main droite, on y va. On y va, Christophe. On y va, hein. Je sais que t'as plus l'habitude, mais c'est bon, tu peux y aller, ça va rebondir. Hein, faut que la vague passe de la fesse droite à la fesse gauche quand même. D'accord? Là, elle s'arrête au milieu. Donc c'est pas utile. On y va. Allez, que la main droite. Très très bien. On y va, on y va. On fléchit légèrement les jambes. Très très bien. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on relâche, on repart gentiment. Super. On repart gentiment et on remet main droite devant et on travaille la main gauche. Christophe, on y va s'il te plaît. S'il te plaît. Merde. Allez, on y va. Droite, gauche. Et on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Super. C'est mieux Christophe, très très bien. Là, on voit qu'il va quoi. On a presque fini le cours. Un dernier petit truc, on va faire un exercice pour relâcher un petit peu les épaules. Parce que je trouve qu'elles ont très très bien travaillé aujourd'hui. On y va. On met un mouvement de bras, gentiment, en bougeant les épaules, aussi légèrement, très très bien. On accélère, maintenant on va bloquer les bras, on va faire le même mouvement, voilà. Et on commence à accélérer, on y va, on accélère, allez! Regardez-moi ce festival! Encore!
Super, on ralentit. Voilà, on ralentit. On relâche totalement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était très très bien. Christophe, tu as une amélioration. Je compte sur toi, travaille à la maison, il n'y a pas de problème. Marine, là, t'as fait n'importe quoi. Ton mouvement là, il n'était pas top. Fais-moi bouger un petit peu ce corps, s'il te plaît. D'accord, Sophie, cambre-toi un petit peu plus, s'il te plaît. Tu n'avais pas du tout envie. D'accord. Bon, je vais vous libérer. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Très très bien. Allez, très bonne journée à vous.